Eh bien, très chers amis, à quelques minutes maintenant de l'entrée de Rosh Hashanah, vous savez que un rave a dit une fois, j'étais dans le bus et j'ai entendu quelqu'un dire: parle vite, j'ai plus de batterie. On n'a plus de batterie pour le début de cette année et on doit la recharger. On doit profiter de ce moment de Rosh Hashanah pour nous donner entièrement dans nos prières, afin que nous soyons exaucés. On raconte qu'une fois dans un aéroport, un homme va pour passer la barrière de la sécurité, et puis on lui dit: monsieur, vous sonnez, vous avez plein de métal dans votre sac. Il dit: moi, du métal, jamais de la vie. On ouvre son sac devant tous les agents de sécurité, et on se rend compte que un sachet poubelle rempli de boîtes de conserve était resté à l'intérieur. Il avait oublié de jeter ses poubelles. Dès ce soir, très chers amis, et le monsieur qui, j'ai oublié de vous dire, est sorti de ce contrôle, il a dit: j'ai une honte de voir que j'avais oublié mon sachet poubelle dans mon sac. Ce soir, nos sacs vont être ouverts, très chers amis. Et pour pouvoir ne pas avoir honte, il faut quelques engagements, pas des grands. Quelques petits changements pour cette année, pour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne du crédit pour l'année prochaine et que nous ayons la meilleure des années. C'est ce que je vous souhaite. Shana Tova, Tikat Vu, Betichat Mou Le'altar, Be'Sefer Chaim Tovu Shalom. Que du bonheur et des bonnes choses. Amen.